Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous aurez vu dans le titre, c'est un haul Noz. J'étais à Noz samedi, je sais plus combien. Donc aujourd'hui on est le 11, c'est mon anniversaire. Voilà, donc c'est pour ça que je suis un petit peu apprêtée, mais je vais au travail. Donc voilà, j'avais juste envie aujourd'hui de d'être un peu plus. Voilà, j'avais envie, enfin bref, je vais pas me justifier. J'étais en train de faire un vlog et samedi, et puis je vous ai un peu lâché parce qu'il y avait le taf et tout, il y avait d'autres choses. Du coup, bah, j'ai pas eu le temps de montrer mes achats, donc là c'est le temps. Donc en premier, j'ai trouvé des Kellogg's comme ceci. Donc c'est les petits croustilles là, comme ça, avec un fourré à l'intérieur au chocolat noisette. Donc voilà, ça c'est cool. Je les ai eu pour 1,50€. Ensuite, j'ai trouvé un petit sac comme ceci. C'est un sac style shopping, mais pas très grand. Voilà, toile de jute. Voilà, donc ça c'est bien pour limiter le plastique. Que j'ai eu à, je sais plus, 2,99€, je crois. Bref. Ensuite, je me suis prise une écharpe légère comme ceci. Voilà, je la trouvais sympa. Et elle était 1 euro. 1 euro. Je sais plus. Là. 1,50€. Donc, franchement, fallait pas s'en priver pour le prix. Je suis désolée, je suis un tout petit peu speed parce que je m'en vais au travail et je voulais filmer ça vite fait ce matin. Et bien sûr, j'ai pas vu l'heure. Donc là, je suis un petit peu à l'arrache. Ensuite, j'ai trouvé des Blu-ray. Donc, en premier, j'ai trouvé Normandie nue à 2,99€. Donc je l'ai pris juste pour ma filmo, si je peux dire ça, avec François Cluzet. Voilà. Parce que c'est un acteur que j'ai beaucoup aimé dans Intouchables. Donc voilà, j'ai trouvé un autre DVD une fois sur une brocante. Les brocantes. J'ai l'impression qu'on n'en fera plus jamais. Et du coup, là, pour 2,99€, je me suis dit que même si j'aime pas, je perds pas grand-chose. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé Belle et Sébastien. Parce que j'ai le premier, si je ne me trompe pas, je sais plus comment je dis, j'ai trop de DVD, je sais plus qui est en DVD ou en Blu-ray, je sais plus, bon, c'est pas très grave. Et celui-ci, pareil, 2,99€. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé la série Orange is the New Black. C'est une série que ça fait longtemps que je voudrais voir. Et que je n'ai jamais pris le temps de voir. La dernière fois, on m'a passé une copine m'a passé ses codes Netflix juste pour que je me fasse une idée de savoir si j'allais me mettre à Netflix, parce que oui, je ne me suis jamais inscrite à Netflix. Et du coup, le début, j'ai bien aimé. Donc, je me suis dit que forcément, le reste, j'allais accrocher. J'ai pas fini de regarder, j'en suis qu'à la première saison, donc voilà. Je me suis dit de toute façon pour le prix. Je ne perds rien, pardon, j'y arrivais. Et puis bon, si vraiment j'aime pas, mais je ne pense pas, je leur vendrai, faire des échanges, etc. Mais voilà, j'ai trouvé donc la première saison pour 1,99€. Donc 1,99€ le Blu-ray d'une saison. Franchement, ça vaut vraiment le coup, pardon. J'ai trouvé la saison 3. Voilà, il n'y avait pas la saison 2. Et j'ai trouvé la saison 4. Voilà, donc je finirai par trouver les autres à un moment donné. C'est dommage, c'est juste que j'ai pas trouvé le numéro 2. J'aurais préféré avoir la 2 que la 4 ou un truc comme ça pour avoir. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est un petit pochon avec plein de petits. Gommettes et des décors à compléter, un poster de gommettes, etc. Peppa Pig, voilà, donc c'est pour ma filleule qui est en ce moment à fond dans Peppa. Voilà, donc pour 2,50€, pardon. Voilà, donc je me suis dit que ça allait lui faire plaisir. Ici, bah ça, c'est des achats actions, mais je crois que je vous les ai montrés. Oh, je sais plus comment je vis. Donc, bon, ça sera sûrement dans le vlog, ça sera plus simple. Là, ça sera qu'un haul Noz, parce que sinon, on va pas y aller. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est un lot de DVD. Oui, c'est ça, à 2,99€ avec Lego Batman, le film, et Lego, la grande aventure Lego. Voilà, parce que mon fils est à fond dans les Lego.
Je sais pas, ça lui a pris comme ça d'un coup. Donc, il adore. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Pour 2,99€, je sais pas si je l'ai du prix. Ensuite, j'ai trouvé un petit livre. Comme ça. Voilà, c'est pas grand-chose, mais je l'ai trouvé sympa. Et ça, je l'ai eu pour 2,99€. Ensuite, j'ai trouvé un livre comme ceci pour mon doudou. Parce que si vous me suivez depuis assez longtemps, il lit des livres à gogo, mais genre il les bouffe. Ça, ce genre de livre, c'est un livre qu'il lit en même pas une semaine. Donc, du coup, je privilégie soit l'occasion, soit vraiment les nausées, etc. quand j'en trouve. Et donc, celui-ci, j'ai trouvé 1,99€. Comment je suis devenue skater malgré moi. Voilà, la quatrième de couverture, j'ai trouvé ça sympa par rapport à ses goûts et tout. Donc, je me dis que ça peut être sympa pour lui. Ensuite, j'ai pris un lot de paires de chaussettes 39-42 pour mon chéri. Voilà, donc c'est des Lee Cooper et c'était 2,53€, je crois, je sais plus. Et ensuite, j'ai trouvé plein de produits bio, naturels, machin truc. Voilà, parce que comme vous savez, j'essaye. Non, ça, c'est pas autre chose. C'est plein de produits bio parce que j'essaye de me mettre dans un peu plus propre, un peu plus naturel, un peu plus, etc. Mais juste avant, parce que je ne suis pas très organisée, j'ai trouvé ceci. Donc c'est un livre, non c'est pas un livre, qu'est-ce que je dis? C'est un jeu, je vais y arriver, de 44-4, récréation animaux sauvages. Donc en gros c'est comme les énigmes, si vous avez vu passer sur ma chaîne. En gros, on doit dire des énigmes. Par exemple, je suis bicolore et je vis dans la savane. Ça correspond au zèbre. Donc, il y a plusieurs indices. Et le premier indice, ça doit être facile. La deuxième, enfin, ou un truc comme ça, quoi. De savoir les difficultés, je pense. Voilà, trois difficultés d'indices. Et attention au piège. Et donc, il faut trouver le plus d'animaux possible. Voilà. Donc ça c'était 1,99€, c'est le genre de jeu que Doudou adore faire. Donc voilà. Donc maintenant on vient aux produits bio. Donc j'ai pris ceci. Donc ça c'est une crème hydratante main à l'huile d'argan bio. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, donc pour 1,50€. Je me suis dit que ça valait le coup parce que ça, le genre de truc c'est 8, 9, 10 euros. Ensuite j'ai pris une crème de main régénératrice et ongles à l'huile de rose musquée bio. Voilà, pareil, 1,59€. J'ai pris une crème, parce que c'est écrit en italien. Crème visage, je ne sais plus ce que c'est. Crème visage protectrice hydratante aux extraits d'immortelles. Voilà, donc pareil, pour 2,49€, ça vaut vraiment le coup, ce genre de choses. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris. Oui, c'est un produit pour l'hygiène intime à l'aloe vera. Voilà. Donc, c'est quand même un gros format. Voilà. Mais gros, mais pas trop en même temps. Donc, ça, c'est cool pour tester. Donc, je suis contente d'avoir trouvé ça pour 1,59€ aussi. Donc, il y en avait encore pas mal, mais j'ai pas tout pris parce que je voulais juste tester. Et voilà. Donc en plus dans ce nose, c'est le nose de Sapporo à côté de Fontainebleau pour celles et ceux qui voudraient savoir. Il est vraiment bien, c'est un des mieux des quatre que j'ai autour de moi. Parce que j'en ai un Savigny-le-Temple qui est trop nul. Franchement, il est tout pourri, enfin, il est mal rangé surtout. Donc pour chercher quelque chose, ça me gonfle très vite. J'en ai un à Provins qui ça va dans l'ensemble. C'est pas le mieux mais ça va. J'en ai un à Vaulpénil. Celui-ci il est tout petit mais alors franchement ça donne vraiment pas envie d'y aller. Et ben j'ai celui de Sapporo qui est bien mieux. Donc voilà, quand je vais chez mon beau-père, je vais faire un tour là-bas obligatoirement parce qu'il est vraiment très bien rangé, il y a quand même pas mal de choses. Donc voilà. Donc voilà pour ce petit haul, j'espère qu'il vous aura plu. Je pense y retourner quand même assez vite parce que je vois plein de choses intéressantes et à chaque fois j'y vais pas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans vos commentaires quel est l'objet qui vous a le plus plu. Si vous avez vu
Orangine ou Black, qu'est-ce que vous en pensez? Positif, négatif? Et si vous avez vu ce film? Voilà, pour me dire juste votre avis. Donc voilà. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao !